Le matin, je peux être avec Kev Adams à Paris, manger à la Tour Eiffel avec des gens hyper importants. Et le soir, je retourne chez moi, dans le nord de la France, et je mange avec ma mère. Elle me dit, tu vois. Ça fait 6 ans maintenant que je fais de la scène. Ça fait 6 ans que je parcours les comédie clubs en France pour travailler mon spectacle. Et un jour, il y a eu une fameuse erreur qui m'a permis de rentrer au Jamel Comedy Club et rencontrer Jamel. En fait, il se trouve qu'ils se sont trompés de prénom. Ils devaient contacter un autre Iliès pour qu'il vienne dans la troupe. Et ils ont envoyé le mail à moi. Sauf qu'à la base, c'était pas pour moi. Sauf que moi, j'ai été quand même. Je suis rentré dans la troupe. J'ai rencontré Jamel Debbouze. J'ai fait le Marrakech du Rire. Et aujourd'hui, je suis devant H24 Info. C'est que du bonheur, je te dis, ça fait 6 ans que je fais ça, donc c'est une récompense de travail au bout de 6 ans, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir, je suis trop content, je vis chaque moment à fond, chaque jour qui passe, je me réveille le matin, je me dis, purée, c'est vrai, ça m'arrive vraiment, quoi. Tous les soirs, on est dans une ville différente, on est avec le spectacle un peu partout. Ce soir, on joue au Megarama, il y a presque 1000 personnes, donc c'est incroyable tout ce qui se passe. Je parle de tout, de toutes les galères par lesquelles je suis passé. Je parle de comment ma famille ressent un peu ce succès, on va dire, parce qu'ils ne comprennent pas que je suis connu. Des fois, les gens ils prennent des photos avec moi et mon père il me dit pourquoi ils font ça. Je parle de ma scolarité. À la base, moi, mes parents, ils voulaient que je fasse des belles études. Ils m'ont inscrit dans un lycée catholique. Enfin, on parle de plein de choses. C'est plein de situations où moi, j'ai pas à être là et finalement, je suis là et je raconte aux gens comment ça se passe. Et il faut venir voir le spectacle. C'est de ma vie de tous les jours. Mes amis, j'ai la chance d'avoir des amis très drôles. Ma famille, j'ai la chance d'avoir une famille très très drôle, plus drôle que moi. Le matin, je peux être avec Kev Adams à Paris, manger à la Tour Eiffel avec des gens hyper importants. Et le soir, je retourne chez moi, dans le nord de la France, et je mange avec ma mère. Elle me dit, tu vois, c'est une vie qui est bizarre, c'est une vie bipolaire un peu, tu vois. Donc c'est ça mon inspiration. C'est trop chaleureux, on sent que les gens ils sont trop contents d'être là. À chaque fois que tu arrives sur scène, il y a une ferveur. Les gens ils passent un vrai moment, tu passes un moment vraiment spécial. C'est pas comme ailleurs, c'est différent. Le public marocain, c'est un des meilleurs publics que j'ai pu faire. J'ai joué à l'étranger dans plein d'autres pays, devant plein de francophones. Mais ici, je sais pas, ils sont contents d'être là, ils te le font comprendre dans leur rire, dans leurs applaudissements, tu vois, c'est fou.